devons stopper l'application de la violence dans nos sociétés. Cela, jeux vidéo atroces et sinistres qui sont désormais partout. Putain, mais là, ça commence à bien faire, je me vénère. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des motos armées. Regarde, regarde, je t'ai la mécourt, passe, fils de pute, regarde, regarde, regarde. Oh putain, t'es dans le camp américain, Stan? Non, je suis avec les Japonais. Les Moporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle. Vas-y, cours, ta mère, je vais t'attraper, t'inquiète pas. Ça s'écrit MMMPORPG. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Play the game.
Je répare ça vite fait et je suis de retour. Non, Kenshiro, tu n'as pas raté le moment promotionnel. Test, alléluia, ça fonctionne. J'ai tous mes ports qui déconnent. Non, Kenshiro, tu n'as rien raté, on repart maintenant en lance. Ça y est, sur Mirage. YouTube, n'hésite pas, le petit pouce, la petite cloche, l'abo, histoire de ne rien rater des aventures et de la suite, en fait, de tout ce que je peux proposer, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est le pack Deluxe qui nous permet, en fait, bah, tout simplement, de faire la promotion de... comment on appelle ça de Prince of Persia, The Crown, je crois que ça s'appelle, mais voilà. Donc là, oui, là, les épées, pour l'instant, je vais pas les changer. Parce que c'est complètement ouf, en fait, ce qu'ils ont rajouté. Récolter des ravages, clairement. Les modifications, donc pour ça, là, je pense que je vais retirer ma tenue. Là, je vais mettre la tenue que j'ai là actuellement, qui est quand même un peu plus stylée, qui fait un poil plus assassin. C'est impeccable, j'ai pas de costume, si mes souvenirs sont bons. Oui, je pourrais mettre celui-là, celui du maître assassin, mais on n'est pas encore maître assassin, je trouve que ça serait dommage. Et là, comme tu vois, il y a le petit niveau qui va augmenter de l'un à l'autre, en fait, tout doucement. Voilà, là, c'est les enquêtes que je suis en train de mener, donc je suis à la recherche, en fait, de deux personnes, de Béchi et de Nur, pour essayer de me trouver... Ali Albin Mohamed pour avoir en fait le plus et soupçonner que ce soit l'ordre qui soit un peu en plein milieu de tout ça. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui est sur les petits rappels d'avant. On a vu, on était pendant un petit moment à la forteresse d'Alamut et tout pour la formation en fait de Basim. Donc ça c'est plutôt cool, on l'a vu en fait de zéro et prendre le temps de EP en fait tranquillement, sagement, donc ça c'est plutôt intéressant, moi je trouve, voilà, après, voilà, donc voilà, ça nous a permis également d'avoir notre, notre aigle également. Alors savoir que dans celui-là, c'est un truc que je trouve qui est bien fait, c'est que l'aigle peut se faire toucher, peut se faire shooter. Donc s'il se prend une flèche, au revoir le repérage avec l'aigle, ce qui est d'une logique imparable. Attention, à chaque fois il fait un boucan pas possible. Voilà. Voilà, tout simplement, en fait, là j'ai juste déverrouillé. Sur la map, voilà, deux... tiens, c'est quoi ça? Oui, j'ai déverrouillé simplement deux sites d'aigle, voilà, tout simplement. Avant de commencer, parce qu'on est quand même là depuis le petit-déj, les gars, on est quand même là depuis 9h30, d'accord? On va se faire un petit coup de boost, j'ai déjà mangé dans mon coin. On va se faire un petit coup de boost. Coup de boost, c'est quoi? Eh oui, je sais que tu attends ça. Mon cher Kenshiro, c'est Oli. Oli, aujourd'hui, ça sera la panthère qui est en fait pêche abricot. Je suis pas fan de l'abricot, sincèrement, moi à la base. Là, il passe vraiment crème, en fait, ça passe crème. Donc, voilà, très bon. Franchement, il est juste excellent. Bien glacé, là, en fait, ça, vous n'avez pas pu le voir, mais depuis hier soir, j'ai mon shaker avec de l'eau qui est directement au frigo. Et j'ai rajouté des glaçons juste avant. Voilà, le principe il est simple, la boîte, une cuillère qui est fournie à l'intérieur, ça fait 7 grammes
7 grammes de produit, en fait, tout simplement, hein, de holy. Hop, 50 centilitres d'eau, le tout dans votre checker. Vous fermez bien, hein, sinon vous en foutez partout. On check et c'est parti, en fait. Voilà, tout simplement, c'est prêt, vous pouvez consommer. Allez, à la vôtre. Deux petites choses à savoir. J'ai deux codes à vous proposer et ça tombe bien parce que il est juste en train d'être passé en ce moment. Le code qui est à l'année, c'est Legrange Lafarge tout simplement, qui vous donne 10% sur l'intégralité de votre commande. Ce qui peut être quand même assez intéressant, ça vous donne vraiment l'accès à toute la gamme. Et si c'est la première fois que vous commandez, Legrange Lafarge 5 permet d'avoir 5€ de ristourne directement sur votre première commande, plus les frais de port offerts. Soit ça vous fait un pack découverte aux alentours des 15€. Voilà. N'hésitez pas à goûter, à me faire votre retour sur le Discord. Et puis on en parlera. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à me contacter encore une fois sur Discord. Voilà. Allez. Maintenant, c'est parti. On y va. Et on va attaquer maintenant ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Il va falloir trouver une autre approche. Le directement OS. Ok, donc là en fait je suis à côté d'un endroit que je devrais même pas être là. Ok. Ok, alors mon but, moi, c'est d'aller directement ici. Ici. Est-ce que j'ai moyen de me TP pas loin ? C'est quoi ça? Musicien, attraction de garde en échange de... Ah. Ok. Est-ce que j'ai moyen de me TP pas loin? Non, hein. Déplacement rapide. Eh ben voilà. Hop, allez. J'ai beaucoup apprécié le fait tout bête que... Enfin, moi j'ai les sensations du premier en fait et du deuxième quoi. C'est autant avec Altair qu'avec Ezio, ouais, ou même l'entrée de ceux que l'on ne voit pas. Hein, je trouve vraiment complètement dingue. Enfin voilà, ça c'est, après c'est un avis perso 100%. Ça plaît pas, peu importe. Alors, mais j'aurais pu me TP là, je suis con. Allez, on va venir se TP ici. Let's go. Où est-ce que j'ai mis mon marqueur? Il est là-bas. Allez. Mais voilà, là, on revient vraiment sur les déplacements qu'il y avait, moi, je trouve, dans les premiers, les mêmes, plus ou moins les mêmes bâtisses en même temps. On sera plus ou moins le même... la même... Pas la même chrono, mais la même... Ah, mince. Bon, je me suis compris. Voilà. Je me suis compris. On est carrément sur le même bâtiment, parce qu'on est vraiment pas loin l'un de l'autre. Hop, ok, c'est là-bas. Allez. Alors, je sais pas encore exactement ce que je vais devoir faire. Tout ce qui est affiché, vous allez faire à proximité, contacter les rebelles. C'est pas ça que je voulais faire, moi. C'est pas Béchi. Ah, mais j'ai peut-être pas le choix, en fait. Eh ouais. Parce que là, j'en sais rien. Il y aura indiqué le quartier des charis sur un plan. Ok, bah suivre. Je vais voir si j'arrive à en savoir plus. Voir si j'arrive à en savoir un tout petit peu plus à ce niveau-là. Au niveau des combats, c'est quand même bien... bien tendu. Moi aussi, je sais le faire. Pour les courses, vas-y tout seul. C'est au niveau bien tendu parce que, enfin, franchement, je pense que je vais plus maxer sur ce que je faisais au début dans les AC, c'est-à-dire à m'échapper, qu'à avoir la confrontation directe. Quoi, parce que c'est, j'ai un peu de mal avec le système d'esquive. Un petit instant. Derwish ? Basim ? Azizi ! Moi qui te croyais mort ! Je te croyais mort aussi ? Qu'est-ce que tu fais là? Tu... Tes vêtements, tu es devenu l'un d'eux. Mais comment? Un de ceux qu'on ne voit pas, oui. Grâce à Roshan. Pardonne-moi.
C'est une sacrée nouvelle. En ne te trouvant pas parmi les cadavres, j'ai espéré que tu avais pu t'enfuir. J'ai passé bien des nuits à prier pour toi, pour que tu sois en sécurité. Et aujourd'hui, Allah a exaucé ses prières. Je ne suis pas digne de tes prières. Ce qui est arrivé cette nuit-là n'était pas ta faute. C'était ça d'un malfaisant. Tu le sais bien. C'est pour cela que tu as choisi de suivre cette voie. Bah oui, tu m'étonnes. Et que j'ai trouvé la mienne à Bagdad. Ali ibn Mohammed est une bravache qui se prend pour un héros de prophétie. Je le méprise, mais nous avons un ennemi commun. Bah ouais, plutôt. Je dois vaincre si je veux que mon âme connaisse un jour la paix. Ainsi, c'est vrai. C'est donc toi, le marchand rebelle qui est des nôtres. Qu'est-il devenu ? Il s'accroche à la vie. Mais il est en sûreté parmi les nôtres. Je dois continuer son œuvre et traquer les oppresseurs de Bagdad. Ali ibn Nour a approché l'un d'entre eux. Mais comme tu le sais peut-être, il a disparu entre-temps. Eh ouais. Il n'a pas disparu. Il a été fait prisonnier. Un sort qui a frappé de nombreux rebelles. Et sais-tu où il est détenu ? Au poste de garde de la porte de Khorasan. Mais c'était il y a des semaines. Eh ben on va commencer la recherche par là. Tu t'en vas même comme eux maintenant. Te revoir m'a fait plaisir. Fais attention à toi. Tu sais sûrement te défendre, mais je suis resté mère poule. Et Basim, si tu te sens par hasard la main, disons, leste, viens me voir. Ton aide me serait utile pour la bonne cause. Bien sûr, évidemment. Quoi d'autre ? Ok. Activité, objet de... objet de... Collecter les objets pour service en détroussant les gens dans les rues, apporter régulièrement. Ok. Par contre, les points de compétence au début, ils fusent. Hein. Ok. Alors j'ai vu juste ça, je veux dire. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il me cacherait quelque chose? Ok. Lui, j'espère qu'il n'est pas passé de l'autre côté. Je sais pas pourquoi, mais c'est un petit flair comme ça. Les points de compétence, là, j'ai l'impression qu'ils fusent un peu en fait. C'est juste pour donner l'accès, je pense, au démarrage. Voilà, histoire de, voilà. Je vais dans tous les cas commencer avec les trois premiers points. Je verrai après pour ce qu'il en sera des autres. Voilà. Alors là, j'ai eu un troisième point pour atteindre la boutique. Bon, la boutique de Dervis, ok. Le poste de garde, découvrir où est Ali. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Je vais continuer à suivre cette piste-là, qui est pas très loin. Qui est pas très loin. Pour voir si j'arrive à trouver un peu autre chose. Je vais supprimer mon marqueur de la carte. Voilà. On va nous rapporter des objets à l'optique de Dervis. C'est quoi ces points là? Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, il y a tout qui pop un peu de partout à l'arrache. Et... Ok, d'accord. Les jetons de pouvoir, j'ai pas encore tout à fait compris exactement ce que c'était. Non, je veux pas que tu m'ouvres le menu d'enquête. Je veux que tu me mènes à contacter le rebelle. Voilà, bah c'est bon, impeccable. Zone de localisation. Ok. Hop. Je sais plus dans quel... dans lequel d'assez on mangeait des baies. Je crois que c'est avec Ezio, en fait. Allez. À l'adventura. Par contre, ma zone de localisation, elle a disparu de la carte. Il y a quoi que je suis en plein dedans? Que voyez-vous? Ça
Ça, c'est fait. Bah tombe bien, elle est juste à côté d'un coffre, ça m'intéresse. Par contre, tous les vieux réflexes sont là, le fait de se fondre dans la masse et tout, je trouve ça vraiment hyper stylé, quoi. Je trouve ça hyper stylé. Aimerais-tu goûter à nos délices mélodiques ? Ok, une fois à tout prix des jetons. Okay. Alors je sais pas comment je fais pour les avoir encore les jetons. C'est peut-être Béchy qui rallie ces hommes. Mais ici, et aujourd'hui, nous tenons. Et tant que nous resterons en vie, ce combat, lui aussi, tiendra. Alors, affûtez vos larmes, mes frères. Priez pour qu'Allah guide votre bras. Ah ouais, si on récupère pas un petit peu en fait. Une grande victoire se dessine à l'horizon. Ok. Je peux te parler maintenant ? C'est toi, Béchy ? Je suis un allié de nous. Tu le connais, n'est-ce pas ? Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie ? À peine. Mais il est en sûreté. C'est déjà cette ça. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler ? Bassim. Très bien, Bassim. Dis-moi. As-tu une autre lame que ce couteau à beurre ? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Pourquoi donc ? Vous comptez aller chercher Ali ? Pas encore. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port, un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici, pour escorter ceux que nous libérons. Vous avez tous la même manière de penser, mais le plan est bon. Bah en même temps, nous tous étaient formés au même endroit, donc... Libération de rebelles, de ok. Bien. Ah, il y a un petit peu de monde quand même. Puis alors là, je vais pas y aller en mode bourrin parce qu'on a déjà vu ce que ça donnait le mode bourrin. Hein. Ça réussit pas plus que ça. J'arrive pas à les localiser quoi. N'arrive pas à les localiser. Bon, on va essayer de se débrouiller. Ah ouais, mais il y a du people. Je vais faire comment moi, pour approcher de là tranquillement sans me faire... Bon, allez, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai besoin de ta vue. Ah, c'est ça, c'en est un aussi. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Hein. J'ai pas grand chose. Il va vite falloir que je prenne aussi de quoi amortir mes chutes. Oh putain. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Je vais me faire poutrer. Je crois que dès que j'ai posé le pied là-dedans, ça va être l'enfer. Tu n'es pas le bienvenu. File. Allez. Premier raté. Premier raté. Premier raté, mais ça va sûrement pouvoir
On va donner un coup de main. Ok, il va falloir que je fasse une approche un peu plus délicate. Ok. C'est les couilles, hein. Madame, Mahlan. Ça va les gars, je fais que passer, on va se détendre. Hein. Allez, on va passer vers là-haut, on va voir s'il y a une meilleure approche à faire. Pour l'instant, les approches qu'on me propose, elles sont pas dingues. Bon, là, il y a de quoi se cacher déjà. Hop, voilà. Même pas. Ok, il y a quelqu'un en dessous. Lieu destructible. Est-ce qu'il y en a un qui est juste en dessous de moi? Non, c'est juste lui. Ok. On va commencer ça de façon tranquille, pépère. Quoi ? Chut. Pas bouger. Pas bouger. On va essayer de limiter la casse. J'y crois pas beaucoup, mais. Oh bah tiens. Ok, c'était les munitions. Ok, qu'est-ce que j'ai ici à récupérer? Pas grand-chose. J'imagine, Angel, que l'argent est assez important. Est-ce que... Lui là-bas, lui il va me casser les couilles là-bas. Si je me le fume pas, il va me casser les couilles. Okay. Ça, c'est à libérer. Si je mets le feu, ça va pas le faire. Si je mets le feu ici, ça le fait. C'est rien les gars, c'est juste un peu de feu. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est rien de très grave. Alors tac tac, on va essayer de passer par là-bas, voir ce qu'il en est. Quoi piller. Ok. Voilà, on va se la faire tranquille. Hey,
Ouais, c'est bon, on verra plus tard pour la notoriété. Il est temps de disparaître. Alors maintenant, où est-ce que je peux aller? Ok, lui, je vais pouvoir me le faire tranquille. Ça, c'est du peuple, ok. J'avais pas prévu ça comme ça, mais bon, ça peut le faire aussi. Qu'est-ce que c'était ça? Viens me voir. La notoriété. Où vais-je pouvoir me cacher? À la vitesse où elle monte. Ah, ça va pas être de tout repos, hein. Merci, mon... Allez sur les quais. Retrouvez Béchy. Ok, donc à première vue, il y en a offre-nous trois. Une meilleure... Il y a encore un coffre ici. Ok, il y a des coffres partout en fait. Là par contre ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais pas le tomber celui-là. Ok. Ok, je vais pas pouvoir me le faire comme ça celui-là. Oh, par en haut, ça c'est pas glop. Wouah, ça c'est pas glop du tout. Ça ne passera pas, imbécile. Ok, c'est ce que je disais, c'est pas là pour rigoler. Faut tout recommencer ces bâtards. Allez, reste pas trop à regarder. Va voir de l'autre côté.
toi t'es là-bas. Ça c'est fait. Allez, donc on va se refaire lui au-dessus. Manger ici, il y avait un coffre. Coffre, juste une munition pour mes couteaux. Ok, ça commence gentiment à se profiler. Merci. Allez sur les quais, retrouvez Béchy. Que vois-tu, mon ami? Yo la forme! Bah écoute, pour le moment je trouve pas beaucoup de défauts. Écoute, sincèrement, moi je le trouve vraiment bien. Je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il est vraiment stylé. On a vraiment en retour, pour moi, un mélange en fait entre le 1, la partie Altaïr et la deuxième partie qui est basée sur... sur Ezio, donc franchement, moi je le trouve très bien ce petit jeu. Non, pas maintenant. Il y a un truc qui me dérange vraiment dans le jeu. C'est quoi? Vas-y, vas-y, raconte. C'est les voix des... Ouais, bah alors là, après, par contre, ouais. Ça, de toute façon... Ok, il y en a un qui est là-haut. Observe bien. On est à Bagdad, bon. Ouais, bah, je suis d'accord. Pas dans l'Italie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Là, bon, allez, d'accord. Celle-là, franchement, je peux te l'accorder. Celle-là, je suis d'accord avec toi, mine de rien. À faire tomber. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça va. Hein?
Allez, ramène-toi. Très bien, très bien. Attention, on a un indésirable dans le coin. Bon, il n'y a plus qu'à repartir. Oh, il se fout de ma gueule. Ah, il veut pas venir. Il y a Bambi qui dort. Les mobs qui veulent pas mourir. Ah! Ouais, ça, alors ça, j'avais pas encore eu le droit. Hein. J'avoue, bah, comme tu vois, hein, je suis à peine au début. Hein. Comme tu le vois, je suis tout juste au début, donc... Ouais. Ouais, bah écoute, il voulait pas, hein. Il sentait le coup fourré, je pense. C'était pour une fois un intelligent. Voir un autre endroit pour accéder de ce côté. Hop. T'as fait que t'es à combien d'heures dessus? T'es à combien d'heures? J'ai pas l'impression qu'ils veulent que je me fasse. Oh, ça c'était du pain béni ça. J'ai fini le prologue. Quoi? Ok, d'accord, t'es jeune assassin. Ok. Montre-moi ça. Parfait, viens me voir. Ça m'arrange. Il y a Bambi qui dort. Alors, le troisième, il me manque. Où est-ce qu'il me le manque, le dernier? Voilà, ça c'était pour le plaisir. Parce que j'ai vu, voilà, j'ai vu des coffres, j'ai vu plein de coffres. Je sais pas comment je vais pouvoir réussir à rentrer là-dedans, par contre c'est en train de m'intriguer. Faire tranquillou bilon. Il est où?
Il est là-bas. Elle est où la porte, bordel? Il y a un putain de gros coffre là. Ayouhal Majnoun, appelez la sourta. Il faut le mettre derrière les barreaux. Toi, tu vas te détendre tout de suite, chérie. Comment oses-tu montrer ton visage? Donc ouais, là j'ai... Ok, il est là-bas. Ah, la porte ici peut-être. Putain. Je fais comment pour rentrer là-dedans quoi? Bah, par la porte. Allez mon pote, c'est le moment de te barrer. Je dois maintenant les rejoindre. Ok, de quoi manger. Santé au complet, ça c'est pas mal. Hop. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je prends. Ils sont pas radins sur les compos en tout cas. J'ai intérêt à rester caché. Ok. Ça c'est trop loin, ça c'est trop loin. Ce que je cherche moi c'est les coffres qui sont là, voilà. Parce que là, dans cette baraque. Je veux dire que là, en bas, j'ai raté un truc, c'est pas possible. C'est pas mal ça. C'est... Ah bah oui, clairement, il y avait une échelle, forcément. J'ai pas pris l'échelle, j'ai pas rempli le coffre. C'est logique. Et, ah putain, c'était juste des couteaux de lancer. Ah non, je suis deg. J'ai fait tout ça juste pour des couteaux de lancer. Là, il y a un coffre. Je crois que je suis full armement. Ok. Là-haut, il y a deux coffres que je n'ai pas pris. Allez, hop là, c'est parti, on va aller les chercher. Et puis, on va faire la suite, hein, tranquillement, sagement. Tac, juste au-dessus, ici. Là, c'est bon, j'ai tout. Celui-là, je ne l'ai pas pillé pour le coup. Voilà, allez, let's go. Voilà. Allez, Béchir. Tu es tenace, Bassim. Je ne fais que mon devoir. Ensemble, nous mettrons fin au malheur de cette ville. Ces malheurs sont l'œuvre d'Al-Ghul. Celui dont on ne fait que parler sans jamais le voir. Que peux-tu me dire à son sujet? Il s'empare des ennemis du califat et les envoie creuser dans le désert. Prisonniers, rebelles, ouvriers, pour y chercher je ne sais quoi. Ces hommes avaient été capturés la vie dès le départ, un anneau du précurseur, donc. Et devaient finir leur vie dans le sable. Pas Ali. Il a été emmené ailleurs. Ils nous ont marqués et séparés. Ali était dans un autre groupe. Il tenait à l'interroger à propos de toi et de tes amis. Peux-tu me montrer cette marque? Allez. Qu'as-tu en tête, Bassim? Ali et Nour se sont suffisamment approchés d'Al-Ghul pour qu'ils le remarquent. Si nous trouvons Ali, il pourra nous mener à Al-Ghul.
C'est une solution, oui. Mais il y en a toujours une autre. Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser et me faire passer pour un prisonnier. Tu es devenu fou. Entêté seulement. Tiens, prends ceci. Que suis-je censé en faire ? C'est un jeton de Rhydma. Ceux qui en connaissent la valeur feront ce qu'ils pourront pour t'aider. Je vais envoyer ces hommes au moulin à eau, dans les faubourgs du Nord. C'est une place forte rebelle. Tu y seras le bienvenu. Wafakakallah. Barakallah, Ofik. Merde, je pense que j'ai mis à consulter un disque de quête, coffre et autres opportunités. Bon, ben ça, c'est bon, j'avais remarqué. Merci. Marchand d'esclaves. Ok. Le gameplay, ça c'est les écoutes. Oui, bon, ça j'ai l'habitude. Gameplay de combat, ennemi en armure. Bon, ça c'est bon, j'ai remarqué. Ok, au niveau de l'enquête. Alors ça m'intéresse. Eh ben voilà. Allez. Hein. Voilà, c'est bon. Hop. Mètres. Bon, ça va, tranquille. Est-ce qu'il y a des choses à découvrir sur ces 200 mètres qui peuvent être intéressants? 69, 65. A priori, j'ai vu un truc comme quoi l'armurier là pouvait faire quelque chose. Alors. Il a l'air d'avoir un coffre intéressant là-haut. Il a l'air d'avoir un coffre intéressant par là. Donc c'est moi qui abuse. 187 mètres en dessous. Ou pas d'ailleurs. Non, non, tu peux descendre, Basim, tu peux descendre. Il est plus bas donc le coffre. Il est juste là. Okay. Bon, je vais pas chercher pendant 3 heures un coffre dans tous les cas. Hop. Ah tiens. Hop là. Interagir. Contexte mis à jour. Expansion de l'islam sur le commerce. Tout ça, j'aime le dire moi tranquillement. Service de forgeron, ça m'intéresse. Bonjour. Que la paix soit sur toi, l'ami. Puis-je voir tes marchandises ? Je t'en prie, jette un œil. Je veux voir tes marchandises. Alors. Un parfait outil de ventilation, n'est-ce pas ? L'extension de l'âme du guerrier. Initié d'Alamout. Les parades ferventes offrent des occasions cruciales. Ah, c'est plutôt pas mal. Plus hein. Terrible que jamais. Ah, il manque affiner un truc, c'est ça. Tranchant, accroître l'équilibre. Ah ouais, quand même. Merci. Ok. Prends soin de ta lame et elle te le rendra.
Et forcément, j'ai plus assez de métaux. Toujours plus acéré. Quoi, rien d'autre ? Rien d'autre, ça va, tu vas te détendre. Nous nous reverrons plus tard. Reviens me voir, surtout. Bon, les armes du pack de luxe sont assez intéressantes, quand même. Après, ça permet de bien démarrer. Alors. Expansion de l'islam, ok. Groupe de marchands. Une impression de chance d'un jeton de marchand. Palais du prince, oh, ok, il est là en fait. Coffre de matériel. Par contre, je viens de voir que là, j'ai oublié un coffre. Bah, go, hein. Allez, on va se balader à terre histoire de voir un petit peu. Là, j'ai fait le con. Je suis pas encore habitué. Là, j'ai fait le con. Je me suis fait remarquer bêtement pour un truc totalement stupide. Bah ouais, forcément, zone interdite. Je m'attendais pas à être accueilli à bras ouverts de toute façon. Voilà, on va pouvoir se faire de la reconnaissance tranquille. Ok. Vous avez mis là. Au moins la source sur le toit. Okay. Peut-être le seul truc que je pourrais lui dire pour l'instant en fait que je trouve entre guillemets en défaut, c'est que les animes manquent un poil de fluidité. Pour le moment en tout cas. Pareil, tout à l'heure c'était une bêtise comme ça en fait pour accéder au coffre, je suis sûr. Alors qu'est-ce que ça m'apporte cette nouvelle tenue? Réduction de l'effet des actions illicites sur la notoriété de Basim. Ah ouais. Ok, bon ça c'est bon à savoir. J'ai une nouvelle arme ? Bah oui, j'ai une nouvelle arme. Inventaire. Ok. Ok. Donc faut que j'arrive. Oh putain de merde. Rien ne peut nous échapper. Ouah non mais là c'est indécent le nombre. Il faut que j'écoute les gardes. Ok. Eh bon bah c'est d'aller écouter les gardes sans se faire prendre.
Franchement, je pense que c'est pas gagné. Ok. Dis-moi, vous vous entendez bien, le scribe et toi ? Pas vraiment, non. Il croit que son rang l'autorise à parler à tort et à travers. S'il me met encore des bâtons dans les roues, je le tue. Et qui s'occupera des listes de prisonniers, alors ? Toi ? Tu ne sais même pas ajuster tes brassards, alors écrire. Je veux bien apprendre. Et si ça peut nous permettre de nous débarrasser de ce chacal ? Trouver le registre des prisonniers. Ok. Ouais, enfin, le registre des prisonniers, c'est bien gentil, mais... Et lui... Et lui... Ouah, qu'est-ce qu'il va faire, je nettoie. Et lui qui va falloir que je fume obligatoirement. C'est un peu la merdasse là. C'est un peu la merdasse. Hein. Ok. Allez, je remonte. J'ai remis le palan entre temps. Donc, il va falloir se prendre par ici. Après, si je ne prends pas trop mal, si je me passe par là, ça peut être aussi intéressant. Ok, il va pas falloir que je fasse beaucoup de bruit, sinon je suis dans la misère. Là, j'ai fait une connerie. J'ai l'impression qu'on a besoin de nous. Je ferai volontiers couler un peu de sang. Là, j'ai fait une connerie. Faut à la mort. Non. Ça ne peut pas bien se terminer cette histoire. Je viens te chercher au massacre. Oh putain, c'était beau ça. Oh, c'était beau. Ok, toi là-bas, je t'avais pas vu. Tu
viens jusque-là, tu m'arranges par contre. Tu viens pas jusque-là. Ok. Tu peux le prendre, voilà, au passage, tac 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 tac. On descend gentiment. Par contre, ça va commencer à être un petit peu compliqué maintenant. Celui-là ressemble à un scribe. Prête-moi ton regard. La porte est fermée, c'est ça? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Ouais, ok, ok, il y a deux coffres, intéressant. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir m'aider? J'ai combattu certains de ces gens au long chemin. Alors, là où ça devrait pas trop me faire chier, lui il se balade un peu là. Ah putain, il y en a trois qui sont là. Oh là 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 là. Je peux pas siffler sinon je suis dans la merde. Si je siffle, il y a tout le monde qui va débarquer. Donc je vais attendre sagement qu'ils viennent à moi. Une fois que je me suis débarrassé de lui, je pense pouvoir avoir accès là-bas assez facilement. Donc, ben voilà, ramène-toi, rapproche-toi. Oui, tu peux le faire, tu peux le faire. Je peux plus le faire. Je peux plus le faire. J'ai dans le huc. C'est moi. J'ai dans le huc. Les lanceurs de feu. Ils existent. Ça va brûler la moitié des orteils en enflammant ma botte à 30 pas. Si je me cache là, il va forcément venir. Voilà, voilà, porte verrouillée. Le scribe à la clé. Il me reste plus que patiemment à l'attendre qu'il vienne. On se la joue vrai assassin, hein. Enfin voilà. Si je peux me débarrasser de lui en plus, c'est gratuit, ça va me faire plaisir. Le scribe est en train d'arriver, on le prend, on le tue, on récupère la clé, et ça devrait le faire. Laisse-moi regarder cette clé pour toi. Voilà. Ah putain! Ah, cette blague, c'est ça, ça qu'on va me servir aussi les jetons. Ah, cette blague. Une liste de prisons. Et toutes sont associées à des marques distinctes. Ok. Où est-ce qu'il veut que j'aille avec un Diram? Bon, bah je me casse maintenant, hein, on est d'accord. Où je retourne là-bas? Déplacement rapide, impossible. C'est normal, je suis dans une zone où je ne peux pas.
utiliser mon voyage rapide. Là, je n'ai pas de coffre, ça devrait le faire. Si je sors d'ici, hop là, on n'est plus en zone dangereuse, je devrais pouvoir gentiment me TP. Voilà, au niveau de l'enquête, ça a dû avancer. Voilà, on en saura plus sur plusieurs niveaux. Ne plus suivre. Détail, indice non trouvé. Je pense que c'est ici que j'ai merdé en fait. Détail. Ok. Donc bah retourner ici, hein, c'est parti. Hein. Suivre. Je vais TP directement. Je vais TP direct. Roshan et Foulad seraient ravis d'apprendre ces nouvelles. Alors hop, je vous demande une petite minute, j'arrive. أعتقد أن حسين يدرك أن الجاحظ يشير إليه في كتابه البخلاء. تلك الفقرة الأخيرة من المثل الثاني واضحة بشكل لا لبس فيه لأي شخص يعرفه. Garde tes forces, mon ami. J'aurai bientôt besoin de toi. التي ألقاها علينا ذلك الغلام الفوري. لست خبيرا في هذا العلم، لكن يبدو أن أي شخص يرتدي جوارب زرقاء مريعة كفل لابد أنه مجنون من الأساس. هل قرأت أحدث تعديلات ابن علي لكتاب السند هند؟ يا ذكاء، ذلك المدعوم سند شخص ذكي سيقدمه إلينا في درس الأسبوع المقبل. إن ذلك يقوي المجتمع حقا. كانت المسيرة إلى المسجد أطول من المقبلة في مكان. Allez, on y retourne. On y retourne. Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. La cohésion d'une armée dépend après tout de son soldat le plus lâche. Assalamu alaikum, Bassem. Wa alaikum assalam, Ahmed. Comment s'est passé ton voyage ? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, pardonne-moi. Il y a un problème ?
Pas encore. Mais nous avons appris qu'Ali préparait un accord avec Noor, en vue d'approvisionner les rebelles en échange de son aide. L'ordre est une épine dans sa sandale, oui. Mais c'est le califat que vise Ali. Il voudra que nous honorions ce marché. Toi, quelle nouvelle as-tu ? Notre cible est appelée Al-Hul. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ses hommes ont été capturés et marqués. Béchi et moi en avons libéré la plupart. Mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la Porte de Damas. Où sont les rebelles ? Retour à Damas ! À un moulin, dans les faubourgs du Nord. Je vais aller les voir. Vous, tâchez d'en savoir plus sur ce marché. Trouvez Ali. La prison de la Porte de Damas est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Aurais-tu un instant à m'accorder, Bassine ? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Je suis tout ouïe. Tout d'abord, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. N'hésite pas à le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant d'améliorer tes armes. Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Enfin, je peux t'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux, et je te montrerai à quel point mon talent est sans égal. Ok. Oh, cette blague! Ok. Toujours plein de ressources. Merci, Abu Jafar. Foulad est allé chercher un moyen d'entrer dans la prison de la porte de Damas. Je dois le retrouver. Auparavant, tu ferais bien d'aller trouver ce forgeron. Les améliorations qu'il est capable d'apporter à mon équipement pourraient m'être utiles. Ok, Jafar est là. Ah, bah tiens. On est à la cour, ok. Je me lirai ça tranquillement tout seul dans mon coin. Je pense que c'est préférable. J'ai oublié de remettre la cam. En ce que j'ai réinitié ces histoires. Ok, hop. Ok, et là potentiellement, c'est ça, c'est les contrats. Ok. Marchand d'armes. Vol de bateau. La concubine. Ok. Bon, bah ça me laissera de quoi faire hors ligne. Alors,
Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça m'annonce? Celui-là, déjà, je l'ai pas fait. J'ai une quête qui est pas loin. Bah, allez, let's go. Ouais, c'est ça, en fait. Les animations, pour l'instant, c'est le seul truc que je trouve. Il manque un poil de fluidité. C'est tout ce que je vois en fait pour le moment. Bon, les petits défauts 3D, bon, ça, on va avoir l'habitude un peu de partout. Donc, pas spécifique à. Ok, c'est là-bas. Hop. Je te demandais. J'ai évité de foutre le bordel pour l'instant. Tu parles. On doit te tromper, l'ami, je pense. Bah, par contre, les vols qui demandent, waouh! Ils sont short, hein! Ils sont short. Je me dis, c'est bon, c'est un petit vol tranquille, pépère, ah, que dalle! Un petit vol là, ok. Ouais, j'y suis presque, hein. J'y suis presque. Hein. Où ça, ça pue. Ça, ça pue. Hop, donc là, ma quête, ma mission principale, elle est là. Hop. Et on arrive près de la grande mosquée, donc là, dans tous les cas, il fallait que j'y vienne. Et ça, ce sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est aller prendre le point de vue. Point de vue essentiel, évidemment. Pour savoir où on met les pattes. Le problème, c'est que mon point de vue, je l'ai perdu, là. Ben non, je l'ai pas perdu, il est juste à côté de moi, en fait. Ah, il y a pas mal. De quel côté? Par ici. Quoi? Là, c'est pas un. Ok. Alors, par où je peux passer? Oh putain, c'est des souvenirs, ça. Il y avait exactement le même genre de tour en plein Florence. Dans le deuxième, me semble, avec Ezio. Forcément quelque chose à récupérer. Je suis sûr que je suis venu pour absolument rien. Ok. Ok. Eh ben, allez, on continue à monter. Alors, hein, grimpette, grimpette. Wow, 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 wow. Bah, ils ont été gentils, hein. Franchement, ils ont été gentils. Parce que là, logiquement, j'aurais pensé. Je pensais que j'étais mort.
ça permet de les péter. Ok, bah ça je le savais pas. Je pense qu'il faut que je passe de l'autre côté. Tu peux le faire, Bassim. Tu peux le faire. C'est toujours un petit peu stressant, là. Allez, une deuxième synchro. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, forcément. Des sites historiques partout. Bon, nous, on va se contenter d'aller jusqu'ici. Sérieux, j'ai rien fait. Vous vous trompez, les gars, c'est pas moi. Putain, c'est triangle, j'ai du mal à m'y faire ça. J'ai du mal à m'y faire, faut que je rappuie sur triangle en fait. Ah oui, c'est un sacré morceau quand même. Aussi cruel et impitoyable que dans mon souvenir. Y as-tu été incarcéré? Oh non, je n'y suis jamais entré. En fait, je n'en ai jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. C'est d'ici que je faisais voler mon cerf-volant, au-dessus des murs de la prison. Il avait une forme unique. Mon père et moi l'avions fabriqué ensemble lorsque j'étais enfant. Alors je venais ici, jour après jour, espérant que la brise l'emporterait assez haut pour qu'il le voie et qu'il sache que j'étais là. J'ignore s'il l'a jamais vu. Je connais cette souffrance et suis peiné que tu la connaisses aussi. Ouais. Il ne faut pas. Petit coup d'oli, hein. Ces souffrances façonnent nos chemins, nous rappellent qui nous sommes et qui nous pouvons être. À propos de chemin, je n'en vois qu'un. Et il est loin d'être accueillant. Oui, il nous faut trouver un moyen de te faire entrer sans être vu. Cela sera-t-il utile? Comment as-tu obtenu ça? Béchi, il m'a dit que ces jetons avaient une grande valeur aux yeux des petites gens. C'est exact. Tu pourrais peut-être amener les gardiens à fermer les yeux, ou te procurer l'aide de quelques marchands. Je verrai alors ce qu'il me convient. Je te laisse et regagne le bureau. Wafa Kakalla. Ok. Le chef de la rébellion italienne et ceux que l'on ne voit pas étaient capturés et emmenés dans la prison la mieux gardée de Bagdad. Y entrer ne sera pas facile. Les jetons de Kid
Kid Mash sont rares et peuvent être échangés contre des services. Recherchez le moyen d'entrer dans la prison de la porte de Damas. Alors, que vois-tu ? C'est impossible de rentrer là-dedans. Regardez-moi ça, le monde qu'il y a. C'est un peu de la discrétion qu'il va me falloir là. Seriez-vous des hommes d'Ali ? Nous l'étions. Mais cela fait des semaines que nous ne l'avons pas vu. Et les rebelles sont en mauvaise posture. Ce n'est que temporaire. Ali est retenu dans cette prison. Ali ? Ici ? Je craignais qu'il soit mort. Je compte le libérer. Mais j'ai besoin de votre aide pour entrer. Et qui es-tu ? Nous souhaitons naturellement le retour de notre chef, mais... Comment être sûr que tu es digne de confiance ? C'est ça, là. Ça veut dire que là, si je prends, je m'en sépare, quoi. Béchi m'a dit que ce jeton me permettrait d'obtenir votre aide. Alors, qu'en dis-tu ? S'il t'a remis ceci, c'est qu'il doit te tenir en haute estime. Nous allons nous occuper des gardes. Observe avec soin, puis passe à l'action. Ok. Je veux dire qu'à tout moment, en fait... Putain, c'est... J'ai du mal à m'y faire avec R1 et L1. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à m'y faire. Thank you.
autant la sueur que le désespoir. Ali est quelque part dans cet endroit sinistre. Reste à le trouver. Ok. Ah mais ça promet, dis-moi. Patte de lièvre, hein, le fameux porte-bonheur qui ne porte pas souvent bonheur. Certains le voient comme une martingale, mais... Mais pour le coup, ça n'est pas souvent ça. Généralement, quand ils ont recours à la patte de lièvre, c'est qu'ils sont vraiment désespérés, quoi. Absolument, il y a du pognon ici. Ok, allez, let's go. Je sais pas si j'ai bien fait de fumer les deux. Vous auriez pu me filer des clés, hein. Ali a été emmené dans les sous-sols de la prison et probablement supplicié. Je dois faire vite. Ah, parce que t'as une idée où sont les sous-sols? Bah vas-y, je t'écoute. Je suis à quel niveau là de la prison? Ok, d'accord. C'est un peu plus compliqué. Ah oui, ok, d'accord. Lui, je peux même pas faire quoi que ce soit. Ok. Wow. Ah, ma barre en tout, c'est l'endurance. Ok, ça, j'avais pas capté, par contre. Ok, bon, c'est la merdasse.
pas pour me vanter, mais j'ai coupé les oreilles de 7 d'entre eux. Je ne suis pas là. Ok, on va faire ça à l'ancienne. C'est vous là quand vous... Ali a été emmené dans les sous-sols de la prison et probablement supplicié. Je dois faire vite. J'avoue que c'était quand même assez tentant. C'est tentant de dingue. Et là, je peux pas me le permettre. Où est-ce qu'il est, Robero? Il est là. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge. Ça va être chaud là. Elle vit, n'est-ce pas? Payée à se promener et à dire aux gens comment se faire. Quoi? Il se passe quelque chose? Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababu. Pétage de câble. Ah, là ils sont encore deux. Putain, je vais faire comment pour m'en sortir moi là? Je veux bien descendre, mais il y a un moment. Là, je dois voir. Ah! Être garde. Qu'est-ce que c'était? Ça n'a jamais été ta vocation à toi. Attends un peu! Oh, vas-y. Mon Dieu, t'attends! Oh, cette galère. On fait vraiment ça à l'ancienne. Qu'est-ce que... Le problème, c'est que là, je monte, en fait. Je descends pas, quoi. C'est un peu ce qui m'embête, là. Je redescends par ailleurs.
Ok, donc là j'ai fumé tout le monde, logiquement il n'y a plus personne. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Donne-moi la force! Tu ne survivras pas! Insupportable, tes paroles! C'est pas foufou, hein? Ok, j'en suis où là? J'en suis où? Qu'est-ce que c'était ça? Voilà. Maintenant, repose en paix. C'est toi? Dis-moi que c'est toi. Qui est-ce qui t'a fait ça? Le geôlier. Bah oui, forcément. Où est-ce qu'il est? Avec un autre... En dessous. Il n'en a plus pour très longtemps. Il parle probablement d'Ali. Pourvu que je n'arrive pas trop tard. C'était quoi? Rien par ici. Tu ne deviendras jamais capitaine. Je ne pensais pas que des démons pouvaient fouler cette terre. Mais cet homme, c'est le mal. Ne perds pas espoir. Notre geôlier aimerait trop ça. Il cherche à nous briser. Oh. Quoi? Attention! On a vu l'ennemi près d'ici. Quoi? Je vais te faire manger ta rage! Une minute. Non mais... Il y a Bambi qui dort. Je suis pas sûr d'avoir choisi la bonne stratégie en fait, en donnant le jeton au pote de Ali. J'ai l'impression de me rapprocher, mais en même temps de m'éloigner, quoi. Ok. Bon, de toute façon, il n'y a plus personne. Il y avait tranquille. Il y a personne.
Ok. Il y a rien qui s'ouvre. Bon, je suis un petit peu emmerdé là, j'avoue. Tac. Qu'est-ce que c'était? Une seconde! Chut! Impossible qu'ils soient obligés de gueuler à chaque fois. Incroyable! Alors, deux secondes, je reviens. Allez, on y retourne. C'est à le trouver quand même, ce Ali. D'accord que, de toute façon, j'ai pas d'autre sortie que par ici, quoi. Ok, c'est donc forcément par là. Agréable. Après, ils en ont plus besoin, hein. Je suis en train d'ouvrir les cages, j'allais voir qu'à un moment ou à l'autre, ça va me bloquer et je vais moins rigoler. C'est sûrement Ali. Le prince Ali, oui, c'est bien lui. Allez. À qui ai-je l'honneur? Bassim, un ami de nous. Discuter peut attendre. Il faut que je te fasse sortir d'ici. Pas si vite, Azizi. Nous ne pouvons pas encore partir. Il faut que j'aille dans la salle des gardiens. Et pourquoi ça? C'est après Al-Rul que tu en as, n'est-ce pas? Les gardiens de cette prison sont à son service. Ils emmènent les prisonniers par groupes entiers jusqu'à des sites de fouilles, à la faveur de la nuit. Si nous mettons la main sur leurs ordres, nous apprendrons peut-être où doit se rendre Al-Rul. Est-ce une raison suffisante? Reste près de moi, baisse-toi, et surtout... Bah, allons, Bassim. Je sais très bien me défendre. Vraiment? Et avec quoi? Essayons surtout de ne pas nous gêner mutuellement. Ouais, bon, c'est une solution, une façon de voir les choses. Dis-moi, Bassim, il faut que je le sache. Comment as-tu fait pour arriver ici? Facile. J'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Prends cela comme un compliment. Je sais que les tiens affectionnent l'ombre, mais même le plus grand voleur du
monde resterait à l'écart de cette prison. Allez, un jour je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Ah oui, j'ai hâte. Pourquoi je sens qu'il va essayer de me foutre la merde? Un mauvais pressentiment en fait. Par là-bas qui me vient. Donc je pense que c'est par là qu'il faut que je passe. Hein. Bon, il faut que je joue de colère sur la carte. En fait. Ah ouais, mais c'est carrément à l'opposé. Ah, je vais finir par me perdre, je pense. Ils ont pas fait. Ah si. Il y a un respawn. Il y a un respawn des gardes. Ouais, bon, on va voir comment ça va se passer. En stress. La salle des gardiens est derrière cette porte. Je sais pas pourquoi, ça, je vois des portes fermées, je me sens obligé de les ouvrir. Laisse-moi passer! Ok. Putain, abusé quoi. Peut-être le transférer, il n'y a pas de problème. Il va falloir faire vite. Bah ouais, plutôt. Ouais. Brisez cette porte. Allez, je sais. Là-bas, près de l'armure. Vite. Oui, je l'ai. Porte ça à Roshan, mon maître. Elle est avec tes rebelles à la place forte du moulin. Je vais retenir les gardiens. Allez, va! Encore une fois! Wouah, mais je vais jamais m'en sortir là! Oh les gars, vous avez pas l'impression d'abuser là? Mais vous avez pas l'impression d'abuser? 15 à la porte, oh! Oh!
Je compte bien devenir anonyme, oui. Mais pour l'instant, c'est un petit peu la merdasse. Les gardiens sont toujours en alerte. À moins d'y remédier, je ne pourrai pas résoudre. Ah ouais, je suis déjà en niveau 3, mais what? Ok. Bon, c'est pas là pour déconner. Je vais prendre 2 secondes. Déjà une pour mettre. Bah, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire qui a changé? Ah, je peux. 30. 30, bon, c'est la même chose. Ralentissement du temps. Ok, bon, jusque-là, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, dans le sac, j'ai eu des nouvelles choses. Qu'est-ce que j'ai eu? Ben, les clés, forcément. Et ouais. Ok, les schémas d'amélioration. Donc, qu'est-ce que ça chez quoi? En fait, je vais prendre les schémas d'amélioration pour pouvoir EP. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Les contrats sont encore. Oh putain. Ok. Les compétences, j'ai 2 points. Alors, c'est ça, peut-être ça qui m'intéresse. Brise-chute. Ouais, ça, ça m'intéresse. Grave. Ça, pour moi, c'est une base dans les AC. Un truc de ouf. Codex, je m'en tape, je regarderai ça tranquille dans mon coin. Par contre, maintenant, je suis pas à côté. Et en tous les cas, il faudra que je retourne ici parce qu'on va chercher le coffre de matériel. Bon. Je peux pas me TP. Non, ça serait trop facile. Ok. Bon, eh ben voilà. Je suis censé aller où sur la map? Non mais c'est une blague. Je me suis mis la mission enquête, voilà, tac. Suivre. Ok, c'est où sur la carte? C'est où sur la carte? Où est-ce que c'est? Bon, eh ben on va avancer au gré du vent, hein, écoute. Dans mes outils, ça non, c'est pas dans mes outils. Bon, bah, allez, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais pas. La question, c'est où est le. Je pense que le moulin il est pas par là. Non, pas ça m'étonnerait. Yalla. Parce que j'ai encore pour en profiter pour récupérer ça. J'en récupère ça. Il y a forcément des trucs de ouf dans le désert, mais bon. Je pense que j'aurai le temps pour y aller.
Ok. Attention, si je veux déjà. Non, mais j'hallucine. Attention. Alors. Salut à toi. Bienvenue, bienvenue. Tes compétences me seraient sûrement utiles. Je t'en prie, regarde. Alors. Bon, c'est pas par là. Tu en as vu assez ? Je te suis redevable. À une autre fois. Ok. Ça me dit toujours pas où est-ce que je dois aller en fait. Tu m'as dit au moulin. Oui, je veux bien. Objet pour rapporter à la boutique. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour être satirique. Ok. Je vais aller ici. Je vais aller lui ramener. Ouais, non, là c'est même pas la peine, je peux même pas faire quoi que ce soit. Je vais me faire remarquer direct, quoi. Ça va être un enfer. Où est-ce qu'il est, Alfred ? Où est Alfred ? Il est où ? Ok, il est là. Hop. Ok, on va essayer de... voir si je vois des trucs pour essayer de les virer, mais c'est pas gagné. Ouais, ce n'est pas à moi de juger. C'est peut-être la cruauté du monde qui le pousse à cela. Putain, mais je les vois pas, les avis de recherche, quoi. Maudit malfaiteur. C'est... à la garde. Putain, ils me dénoncent, ces enfoirés, en plus. Ils me dénoncent. Ils ont aucune pitié. Bah plutôt, ouais, je vais pas vous laisser me choper, quoi. Mais pourquoi ? Putain, chaud. Mais taisez-vous. Thank you.
Mieux vaut rester discret. Ok, elles sont indiquées, d'accord, ça va, ça marche. Ouais, c'est bon, ça va aller un tout petit peu mieux pour le coup. Ah, j'ai un mal à trouver par contre. Les gardes, j'ai assez tardé. Ok. Il faut que j'aille retrouver Ali. Wow. Essayons d'en savoir plus sur Al-Ghul. Oh là là. Ok, donc ça c'est les affiches. Pas très ressemblant. Ouais ouais, c'est bien bien tendu là, mine de rien. Passe pas du tout inaperçu, tu restes bien derrière le mec, tu passes pas inaperçu. Là c'est la prison. Hein. Ouais c'est ça, je peux pas me permettre d'y aller. Hop, donc je vais aller voir ma... Je vais essayer de me retrouver... Ah ouais, plus je m'avance vers la prison, plus je suis en galère, quoi. Ok. C'est pas combien de fois elle m'a... Ah, parce que lui, du coup, je l'ai pas eu tout à l'heure. Quoi ? Ok. Bon, c'est un peu plus galère que ce que je pensais quand même. Tiens. Ah bah oui, ça fait partie des missions annexes que j'ai pris. Mètres, 25 mètres. Voyageurs, revenez-vous du bazar chargé de marchandises. Vous demandez, ah ouais, d'accord, vous, ok. Comment les mener ça, à ça bon c'est lui port. Directement et lui me fait payer. Allez voir aussi bon. Le vendeur hebdomadaire. Il vous proposera les meilleures bêtes de somme. Ah, bon. Ok, ouais, non, mine de rien. Ok, ok, ok. Bon, ça fait plein de trucs. À penser. Waouh, waouh, mais il y a beaucoup de monde là-haut. Les gars, je suis pas armé jusqu'aux dents.
Ah, j'ai plus de... Putain. Ok. J'essaie de me débrouiller autrement. C'est ce que je pensais. J'ai besoin de ta vue. Parce qu'il a vu l'aigle, mais... Ça me parle pas, là. Désolé. Quelle merde, je me suis foutu, moi, encore. Il est censé aller là. Allez, hop, on se casse. Hop. Ah merde, j'ai mis un deuxième marqueur. Allez, on va se tirer d'ici, hein. Pas la peine. Ah, c'était juste gratuit. Bah alors Mimine, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des câlins, c'est ça? Allez, minute câlin Mimine. Allez, minute câlin Mimine. Allez, allez. Bon, je vais au moins essayer d'aller jusque là. Hop. Et c'est par là-bas que ça se passe. Peut-être passer par là. Ok, le but étant de sortir. أتظن ذلك مضحكا؟ على بعض الأسر
Le but étant de sortir de la ville. Ben voilà. Un monte-char. Ah. J'avais pas trop prévu ça. Bon, en même temps, la lame, elle passe pas inaperçue, hein. Alors. J'ai une monture, je crois. Oui, j'ai une monture. Allez. Je vais au grand moulin. Ça a l'air d'être là. Maintenant, où peut-être aller? Mais j'ai un hommage à rendre. Cet homme est venu à mon secours quand mon sort semblait désespéré. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas aidé que moi. Je te rendrai un grand hommage dans la chronique de nos exploits. Mais il faut d'abord en écrire la fin. Eh bien. Vous avez déjà fait connaissance, je vois. À peine. Mais la nuit ne fait que commencer, et il y a beaucoup à discuter. Surtout à propos de ce que vous pouvez me fournir. Nos moyens sont limités, mais sois certain que j'écouterai tes doléances, Ali. Plus tard. Dis ce que tu sais sur Al'Rul, afin que Bassim puisse accomplir sa tâche. Oui, oui, oui. Vos affaires avant les miennes. Mais seulement pour cette fois. Al'Rul envoie des ordres aux gardiens de prison pour leur dire où creuser mais dans la région. Mais tu t'arrêtes, oui, Mimine. Mais il n'emploie pas que des prisonniers. Ceci est un billet à ordre pour des ouvriers. Apparemment, outre des prisonniers, Al'Rul achète aussi de la main-d'œuvre étrangère. Alors, qui à Bagdad pourrait mener ce genre de transaction sans attirer les soupçons? Hein, tu t'arrêtes, un seul homme, Massoud Al-Yakoub. Il dirige les savonneries de Bagdad et il trouve du travail payé aux étrangers. Des Perses, pour la plupart. Ainsi, il oblige ses ouvriers à travailler sur ses sites de fouilles. Et cela sous prétexte de leur fournir de quoi manger. Péché. Il a trouvé l'un des sites de fouilles d'Al'Rul et s'est fait passer pour un prisonnier. Qu'est-il arrivé? Les recherches n'ont rien donné. Mais ça n'a pas empêché les gardiens d'essayer de nous réduire au silence. J'ai brisé le crâne de l'un d'eux et je me suis enfui. Les autres n'ont pas eu cette chance. Un acte bien téméraire et qui n'a donné aucun résultat. Non, c'est faux. Al'Rul sera au caravansérail. J'ai entendu les gardes en parler. Bien sûr. Les marchands de toute origine y font halte. Si Massoud achète des travailleurs étrangers, il est logique qu'il mène ses affaires au caravansérail. À quoi ressemble-t-il? À un homme imposant, qui aime les ornements tels que les bijoux et les soieries orientales. Alors il sera facile à repérer. Il est temps d'agir, Bassim. Que comptez-vous faire? Ma foi, c'est à Bassim d'en décider. Bassim? Seul? Non, laissez-moi rassembler des hommes. Pour que cela se transforme en spectacle, tu auras l'occasion de montrer tes talents plus tard. Aujourd'hui, c'est à Bassim d'agir. Considère cela comme partie intégrante de notre accord, Bassim. Allez. Je suis prêt. Ready. Alors, suis-moi. C'est parti. Viens, Bassim. Ah.
Ok, alors au niveau de l'enquête, ça avance un peu ou pas du tout. Les membres de l'ordre, les premiers membres de l'ordre qui commencent à s'afficher. Algoz, véritable identité de l'un. Et Massad Algoz. Je vais pas m'amuser à le. Ok. Ok. On ne va même pas en cheval ? Non. Un membre de l'ordre est à notre portée, Basim. Et comme la mort de ses prédécesseurs et de ceux qui suivront, celle d'Al-Rul sera juste. Cet homme profite des désespérés et des laissés pour compte. Et ses atrocités continueront. Car Al-Rul n'est qu'un rouage d'un vaste mécanisme qui tourne en détruisant tout. Tant qu'Al-Rul existera, ceux qu'on ne voit pas chercheront à en arrêter le mouvement. Aujourd'hui, Basim, ta main, ta lame seront au service de cette mission. Et si Al-Rul est ta première cible, il ne sera pas la dernière. J'en suis persuadé. Et j'ai foi en toi. Derrière mon aspect stoïque, la dureté de mes leçons, sache que tu m'as impressionné, Basim. La présence de l'ordre à Bagdad et ailleurs restera sur un sable mouvant tant que toi, tu seras notre fer de lance. J'ai l'intention de le demeurer. En profitant de tes conseils, maître. Oh, cette descente de cheval! Une vraie fourmilière. Bien. Pose les yeux sur l'eau. Les marchands, du bétail, les caravanes venues de partout. Moi qui trouvais désordonné les marchés d'Anbar. Là où il y a désordre, il y a aussi chaos. Un chaos qui peut être source d'opportunités. Reste à l'affût de ce qui se présente. Sois réactif, mais patient. Et laisse parler ton instinct. Voilà Massoud. Sur la terrasse. Comme l'avait indiqué Ali. Je le vois. Va, trempe-la dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. Ok. Tu crois tes méfaits bien cachés, Al-Rul. Car tu as choisi ceux dont les faibles cris ne risquaient guère d'être entendus. Ils ont creusé sur ton ordre, sont morts par ta main. Et ont été tués comme des chiens. Tout cela pour retourner le désert en quête d'un objet. Tu marchandes de la chair fraîche, à l'abri, au caravanserail. Tu aimes tes victimes enchaînées et affamées. Il est temps que tu affrontes un homme libre. Chercher des opportunités de distraction. Ouais, bah ouais, ouais. Bien, c'est ça, mon ami. À toi d'agir, Basim. Je t'observerai. Guide-moi. Qu'est-ce que je cherche exactement là? Rappelle-toi, pas
saisis-la. Que vois-tu, mon ami ? Je vois pas trop ce que je peux voir de plus. Hein. Je ne vois pas trop ce que je peux voir de plus. Bon allez. J'ai localisé deux opportunités. De ton départ, l'ami. Un dénommé Massoud a jugé bon de faire inspecter mes marchandises. Alors j'attends. Pour qui se prend cet homme ? Et quelles sont tes marchandises, exactement ? Je ne demande que pour les obtenir à ta place. Tu ferais ça, toi ? J'aurais plaisir à voir cet homme écumé de rage. Il s'agit d'une caisse de soierie et d'épices. Prépare ton dromadaire. Je vais voir ce que je peux faire. Si je réussis à faire partir ce marchand, son départ précipité poussera peut-être Al'Rul à se montrer. Ok, donc ça, ça serait pour un. Et je vais aller voir la deuxième opportunité quand même, parce que ça m'intrigue. On nous a promis du travail grassement payé. Et nous voilà à suer sang et eau, les pieds dans le sable. On nous a trompés. S'il te plaît, aide-nous. Dis-moi en quoi je peux vous aider. L'homme qui nous a appelés détient un document qui nous lie à Massoud. S'il n'a pas touché son argent, il devrait encore être là. Si je parviens à libérer ces hommes de leurs obligations, Al'Rul ne tardera pas à apprendre qu'il n'a plus d'ouvrier. Restez calme. Tu es mort. Putain. Chaud. Un de moins sera toujours ça de prix.
une minute. Tais-toi, dis rien. Un de plus en moins, c'est toujours ça. Rien ne peut nous échapper. Ok. Ah mais il y en a encore d'autres en fait de... Ok, ça fait beaucoup de choses. Donc là, si je résume, tout est à l'intérieur, hein, ok? Donc, en tous les cas, il faut que je trouve un moyen de d'être là-dedans. Je pense que je vais repasser par là où j'étais. Parce que là, il y a une entrée secrète. Il n'y a qu'une entrée secrète. Hein. Donc, je vais voir faire le tour de l'autre côté. Avec un peu de chance, il y a un peu moins de monde. Quelque chose qui me permettrait de passer autrement, mais je crois vraiment pas. Je ne crois pas. Je vais passer par là. Alors, wa alaykoum assalam. Puis-je te proposer de beaux fruits et de beaux légumes? J'ai des grenades bien mûres, un délice. C'est tout ce que tu as à vendre? Je vais y réfléchir. Ok. On va faire un autre à piquer. Et l'autre il est devant. Garde, le criminel, il est là, vite. J'ai de très bons yeux. Voilà le fugitif. Garde, capturez-moi ce chien. Tu es fait. Appelez la chota et arrêtez cet homme. De quel côté? Réponds vite. Par là, vous pouvez le rattraper. Voilà. Salut à toi, voyageur. Caravane Sérail regorge de marchandises, Olori. Aurais-tu des choses à vendre? Je ne traite qu'en dirhams, jeune homme. Et je ne vends pas de marchandises à proprement parler. Quoique là-dessus, les avis divergent. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je vends des hommes, de la main-d'œuvre. Mais mon lot est déjà promis. Et c'est sans appel? Je ne manque pas d'argent et j'ai besoin d'hommes comme les tiens. Alors c'est 15 000. Pardon? C'est grotesque. Qui serait prêt à payer autant? Tu ferais mieux de garder cette question pour toi. Allez, maintenant disparais. Voilà un événement bien étrange. Peut-être pourrais-je en tirer profit. Mais comment? Si je veux libérer les ouvriers, je vais devoir voler ce document. Ces deux hommes se disputent à présent. Pas assez fou. Comment les pousser à leur hausser le ton? Ce n'est rien, je ne fais que passer. Recule, permets! Appelez la garde! Ils vont te faire payer!
Ouah, c'est chaud, c'est chaud. Un petit peu compliqué, hein. Oh là 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 là. Ne faites rien. Ah oui, d'accord, ok. C'est bien appris. D'accord. Bon, au moins je sais où c'est. Allez, on va recharger. Parce que là, franchement, ça va être un petit peu tendu sinon. Je vais voir où est-ce que je peux recharger. Menu, charger. Hop, la dernière. Hop, étendue sauvage. C'est parti. Ok. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Hein. On va essayer de faire ce qu'on peut. C'est pas gagné tout ça. Va, Enkidu. Non, pas vraiment. comment te dire? C'est... C'est... En fait, c'est le... vis-à-vis de la Deluxe. Vis-à-vis de la Deluxe, en fait, ça me donne, ça donne accès en fait à un sabre justement de, comment dire, un sabre de Prince of Persia. Bon, on va essayer de survivre. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ok. Je ne suis pas là. Alors, il y en a un qu'il faut que je vole. Voilà, merci, au revoir, je disparais. Par contre, ce qui serait bien, c'est que je disparaisse, oui, mais que je puisse me débrouiller pour disparaître complètement. Parfait. Le feu a causé un joli tumulte. Tu oses montrer ton visage? Appelez la Shurta! C'est le seul endroit où je peux faire descendre mon autorité, c'est là. Putain. Faites venir la patrouille! Ils sont violents. Ils sont très violents. Carnage.
Alors, je vais essayer de... Hop, de trouver. Mais non. Mais c'est carrément de l'autre côté. Putain, mais je suis dégoûté. Je suis dingue. Galope, bon Dieu! Oh, secours! Oh, cet enfer! Je suis un homme recherché. Bah ouais, mais justement, j'aurais plus être recherché, c'est un peu là le souci, quoi. C'est un peu là le souci. On m'en veut un peu trop, à mon goût. Les malades, habitants de Bagdad, nos savants nous ont fait part cette saison. Tiens, t'as quoi à vendre, toi? Oh, vas-y, ils sont tous en train de me... Mais ça, c'est l'enfer, hein. Ce torchon est tout sauf artistique. Éloigne-toi, sale. Hey, on vole. Habitant. Ça, c'est l'enfer. Hein. J'arrive pas à faire descendre ma notoriété. Là, je suis. Putain, je suis un petit peu emmerdé. Après, j'ai envie de te dire que si quand tu vas chercher là-bas, moi ça m'arrange. Allez, ramène-toi. Porte barricadée, vas-y, je vais te faire. Tu me saoules. Les lâches se font tuer dans le dos. Tu vas souffrir. Tu respires. C'est cela m'agace. Mais vas-y. Oh, c'est l'enfer! C'est l'enfer! Que Dieu te pourra! Quel manque de respect! Gna 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 gna. C'est bon, vous me lâchez? C'est... Ouais, c'est juste un peu chiant, quoi. Allez. Tu veux pas. Bon, d'accord. On va essayer de se bouffer un petit peu. Ah, mais ils sont chauds. Putain, puis alors la dénonciation, merci pour la délation, quoi. Ah, putain. Plus abusé que tout le reste, quoi. Autant il veut de la délation dans les autres, mais alors là... Ils sont pas prêts de rigoler, quoi. Tu fais pas 100 mètres si t'es recherché que... Bon.
l'oreille, potentiel voyageur. Le Sahib Ashoka annonce que les routes menant à Bagdad brouillent de bandits. Vous les emprunterez à vos risques et périls. Mais tais-toi. Tu veux pas marchander avec moi? Oh sérieux, c'est l'enfer. On va essayer de faire ça autrement. Parce que là, franchement, c'est carnage. Chargé. Que voient tes yeux ? Ah! Ah, ça c'est pas glauque par contre. Chargé. Parce que ça, si à chaque fois il me sauvegarde alors que je suis déjà recherché, ça va être encore plus la merde. Non mais c'est pas possible. Le pire c'est que je peux pas revenir là à pied. Putain. Je vais être obligé de me retaper deux fois le trajet. Putain, ça fait encore plus la rage. On va aller diminuer sa machine et puis après on va revenir. Je cherche des. Où je trouve des affiches là, de toute façon, donc j'ai pas le choix. Si je trouve pas des affiches, je suis foutu. Il faut que je fasse disparaître ça. Oh putain, mais vous voulez pas vous la fermer vos gueules deux minutes? Ce torchon est tout sauf artistique. C'est bon? 30 mètres? Allez. Je vais me faire celui-là aussi. Ça devrait pouvoir être bon. J'ai intérêt à rester caché. Voilà. Donc, maintenant. C'est toi le poète à la langue téméraire ? Je me suis laissé emporter par mon indignation. Qui aurait cru que des mots pouvaient coûter aussi cher? Peu de choses sont plus dangereuses que l'orgueil blessé et impuissant. Passe devant. Je te protégerai de son courroux. J'aime bien ne subir aucun dégât. Des obstacles là, devant nous. Maintenant, la voie est libre. Allez, vas-y, cours, je te suis. Allez, plus vite, l'ami, plus vite.
C'est mon neveu là-bas. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne me dénoncera pas, mais je crains qu'il le paye de sa vie. Je m'en vais le libérer de ses agresseurs. Il y a un meurtrier ici. Duncan, je dois partir. Merci. Ces mercenaires auraient certainement une raison de moi. C'est tout ça pour pas grand chose quoi au final hein. Les corbeaux vont se régaler. Voilà. Je vois pas qui m'a capté là. Tout danger est écarté. Bon, et maintenant, tu vas m'emmener où ? Tu vois ces mercenaires turcs ? Je pense qu'on les a envoyés s'en prendre à moi. Tu penses bien ? Ils ne ressemblent pas vraiment à des poètes en herbe. Je vais m'occuper d'eux. Bon, il faut que je file d'ici. Ouais, c'est quoi ça? Voilà. Non mais... Incroyable. J'aimerais bien que tu rentres chez toi là. Voilà. Tes amis doivent me retrouver ici. Barakallahu fik. Je vais écrire un poème en ton honneur. Tu as deviné que j'aimais la poésie. Et plus encore lorsqu'elle parle de moi. Alors tu auras ton chant. Et on se souviendra de ta valeur bien après la fin de ton existence terrestre. Et de la mienne aussi, d'ailleurs. Bon, ça, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Le problème, c'est que j'ai remonté ma putain de notoriété, que je me fais chier à essayer... de supprimer. Il faut que je fasse disparaître ça. Donc j'aimerais bien maintenant essayer de trouver une autre affiche. Et là, je me casse d'ici. Notre affiche est censée en avoir une à 30 mètres. Donc derrière le mur qui est là, justement. Voilà, super. Les gardes vont se montrer vigilants. Ok, donc techniquement, maintenant je peux me TP là. Vous devez vous synchroniser pour devoir employer un déplacement rapide. C'est... J'ai pas compris là. Pourquoi il veut pas que je me TP là-bas? Hop, 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 hop.
truc là. Logiquement, je me suis resynchronisé. Attends, ce qui veut dire quoi? Qu'il faut que je me synchronise là-haut? Non, c'est pas possible. Attends, je vais essayer. Parce que si c'est que ça. Attends, ça veut dire que je l'ai pas pris comme un con? J'ai pas fait ça quand même, je l'ai pas passé à côté sans le prendre. Le pire c'est que c'est sûrement ça. Putain, je l'ai pas pris. Je suis un putain de gros blaireau. J'ai osé faire ça, quoi. Dénonce pas, rien du tout, sois cool. Parce que là j'ai la flemme. Voilà, allez, plein. Allez. Je pense que j'ai carrément dû oublier de le prendre. Mais alors là, franchement, je suis. Erreur de débutant, quoi. Ça, j'ai aucun souvenir d'être monté là-haut. J'ai fait une putain d'erreur de débutant, quoi. C'est ça, je l'avais pas. Gros noob. Ok. Bon, maintenant l'histoire c'est d'aller ici. Celui-là qui peut être pas mal aussi à aller chercher pour le coup. Hein. Limite je suis plus près là, mais bon. Ouais. Passons. Quand tu veux, hein. Alors. Ok, donc, avant que ça soit la merde, voilà, je vais sauvegarder ici. Ok. Bah vous savez. Habitants, le voir cassé vient à rappeler à tous les marchands qu'ils doivent respecter.
Ok, bon, allez, je vais faire un test sur un truc. Okay. Là, j'aimerais bien vraiment réussir à plier ça, je t'avoue. De quoi tu parles? Je suis pas là, tu m'as pas vu, je n'existe pas. Pas assez loin. Donc là, je vais sauvegarder juste devant, histoire de me dire que c'est bon, là, cette fois, je passe par ici et pas par ailleurs, de toute façon, ça sert à rien. Tac. Écraser la sauvegarde. Oui, c'est bon. Allez, dernier essai, après... Je vais éviter d'aller les titiller. Hein. Salut à toi, l'ami. Alors, quelle sorte de marchandises vends-tu? De l'ivoire et du miel. Et toi, cherches-tu à faire du franc? Peut-être, oui. Mais je vais continuer mon petit tour. Il y a forcément toujours un connard qui est là, quoi. Putain, ils ne peuvent pas me laisser tranquille, hein. Faisais pas le con. Voilà un événement bien étrange. Peut-être. Salut à toi, voyageur. Le caravansérail regorge de marchandises. Alors, aurais-tu des choses à vendre? Je ne traite qu'en dirhams, jeune homme. Et je ne vends pas de marchandises à proprement parler. Quoique... Je ne suis pas sûr de... Je vends des hommes. Et c'est sans appel? Je ne manque pas d'argent et j'ai besoin d'hommes comme les tiens. Alors c'est 15 000. C'est grotesque. Qui serait prêt à payer autant? Tu ferais mieux de garder cette question pour toi. Non, mais sans déconner, 15 000. Allez, maintenant disparaît. Voilà un événement bien étrange.
Peut-être pourrais-je en tirer profit. Mais comment? Si je veux libérer les ouvriers, je vais devoir voler ce document. C'est toi qui parles d'imbécile. Je ne suis pas loin d'être d'accord. Ce n'est pas à moi de juger. Putain, vas-y, j'hallucine. Vas-y, mais le moindre truc que tu fais... Ces deux hommes se disputent âprement. Pas assez fort. Comment les pousser alors à hausser le ton? Ok, il y a vraiment de multiples façons de faire. Bon, par contre, moi j'ai un souci, je vais devoir arrêter. Je suis désolé, il va falloir que je stoppe. Je reprendrai ça peut-être une soirée. Donc voilà. Ok, je suis vraiment désolé. Donc du coup, je reprendrai ça assez rapidement. Je vous tiens au courant de toute façon par mon Discord et par l'intégralité de mes réseaux. Voilà. Je voulais vous remercier pour tout, pour avoir suivi toute cette journée. Merci Kenshi, merci à tous, merci pour les resubs, etc., etc. Enfin voilà, en tout cas, merci à tous. Je vous fais la baguette et on se retrouve très rapidement. Allez, à ciao.